Salut les boys et les girls, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être l'épisode 2, ou plutôt la saison 2 d'un truc que vous avez surkiffé l'année dernière. Tous les jours sur Instagram, vous étiez des milliards à regarder nos stories, vous aviez envie de voir nos réactions. Et du coup, vu que vous avez kiffé, on va le refaire. Je parle bien entendu du calendrier de l'Avent de Noël, personnalisé pour le... Il y a Savannah qui est en train de vous bouffer. Allez, file là toi. Du coup, évidemment, Lola, elle est dans la chambre là-bas avec des écouteurs, la musique à 150 pour ne rien entendre. On ne regardera pas les vidéos de l'autre parce qu'elle va faire aussi un calendrier pour moi. Du coup, je ne regarderai pas la vidéo, évidemment, pour pas se spoil. Et du coup, du 1 au 24, vous allez avoir du contenu sur les réseaux, genre Instagram, TikTok, pour voir nos réactions quand on ouvre les cases et tout. Avec le confinement, c'était plus difficile de faire les cadeaux parce que là, on a dû tout recevoir par colis. Malheureusement, on a acheté beaucoup sur Amazon, mais on n'avait pas le choix. Mais aussi, on a essayé d'acheter dans des petits magasins à côté qu'on a pris en click and collect. Personnellement, j'ai réuni 24 cadeaux que je vais vous présenter là tout de suite pour Lola. J'ai trois. Allez, c'est parti. L'année dernière, on s'était donné un budget de 150 pour tout à peu près. On a un petit peu discuté avec Lola, je crois qu'on a un petit peu pété les scores. Cette année, on s'en est un peu foutu. J'ai déjà fait ma liste pour savoir quel cadeau je mets dans quel ordre du 1 au 24. Et nous allons commencer sans plus tarder par le premier jour. J'ai oublié de préciser, tous nos cadeaux. Donc c'est là-dedans. C'est une hotte de Noël. Lola était en colère en fait parce que... Non, elle était pas en colère. Mais elle a eu cette idée avant, elle l'a acheté. J'ai trouvé ça super, du coup je l'ai acheté aussi. Voilà. Mais rendons à César ce qui est à César. Je disais donc, premier jour. Souvent les cadeaux c'est des trucs qu'on a parlé dans l'année ou qu'on a envie mais qu'on n'achète pas parce qu'on a la flemme de ouf. Pour le premier jour, j'ai pris un lot de citas. Pour le déjeuner. Parce que je sais qu'elle en a marre de celle qu'on a en ce moment. Et du coup, hop, on met le petit truc. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et puis c'est bon. J'ai essayé de faire un classement assez cohérent, c'est-à-dire un cadeau cool, un cadeau un peu moins cool, enfin des trucs comme ça. Pour le deuxième jour, j'ai pris des manies parce qu'on fait beaucoup de plats au four et à chaque fois on a un chiffon tout pourri et ben on se brûle. Du coup là maintenant on aura deux trucs comme ça et on pourra plus se brûler. Troisième jour, ça c'est elle qui m'en avait parlé et j'ai vu sur des vidéos d'autres influenceuses. Et apparemment c'est bien. Bon, je ne vois pas l'utilité, mais voilà, c'est ça. C'est une sorte de rouleau. Que tu fais sur la tête pour je sais pas du tout pourquoi, renseignez-moi dans les commentaires parce que j'en ai aucune idée, mais je me souviens qu'elle avait dit que c'était cool. Alors voilà, justement là je suis confronté à un problème de commander sur internet. Pour le quatrième jour, j'ai pris un petit vernis à ongles et pour le coup il est vraiment petit. C'est minuscule, je sais même pas si ça arrive à faire les deux mains avec ça. Après je l'ai pris parce que la couleur elle est vraiment belle, mais bon c'est minuscule. Alors pour le cinquième jour, avec Lola on s'est mis en couple le 5 mars. Du coup tous les 5 c'est notre mois d'anniversaire, machin. Pas le 5, je sais que Lola m'a dit qu'elle mettrait un plus gros cadeau. Et moi, vu que tout ça, ça suffit pas pour montrer l'immense amour que j'ai pour elle, le 5 je vais lui faire un poème. Je vous propose qu'on l'écrive ensemble. C'est du freestyle, hein. Je sais pas ce que je vais faire encore. J'ai mon petit calepin, bon on va pas non plus faire un roman. Hein. Bon il me semble que le but d'un poème c'est quand même de faire des rimes, donc on va essayer. Lola, bientôt 3 ans que l'on est ensemble. Depuis, plus aucun jour ne se ressemble. Quand tu es loin de moi, je me sens vide. Bien plus déprimant que le Covid. J'espère que l'on finira notre vie à deux. Peu importe les jaloux, les envieux. Pour toi, je casserai tout ce système. Je profite de ce poème pour te dire que je t'aime. Du coup, 6e jour. Ah ouais, ça le kiffe. 15. Stabilopause. De toutes les couleurs. De la terre entière avec un petit rangement parce que là pour l'instant ils sont dans un pot pour ave. Ça j'avoue c'est Camille qui m'a donné l'idée, elle m'a donné plein d'idées Camille. Pour le 7e jour, je viens de voir que je suis un peu déçu parce que c'est pas la couleur que j'avais choisi, mais en vrai c'est pas grave, c'est un 9 minuteur pour la cuisine parce que à chaque fois en gros elle le fait avec le téléphone et c'est un peu galère parce que t'as les mains un peu pourries et tout, et en vrai je trouvais l'objet cool. Pour le 8e jour, j'ai pris un petit plaid qui a l'air incroyablement doux déjà, et je vais pas l'ouvrir. Pour un coup aussi je vais l'ouvrir. Le truc c'est la douceur incarnée. Il est complètement assorti au canapé. Du coup ça va être cool parce que on a changé les couleurs des coussins et tout, mais on n'avait pas changé les couleurs du plaid. 9e jour. Simplement et classiquement, une petite bougie parfumée. C'est dommage que vous puissiez pas sentir parce que ça sent vraiment extrêmement bon. 10e jour, c'est le premier jour où il va y avoir de la nourriture parce qu'il y a des trucs que j'ai pris en plusieurs fois. Par exemple, j'ai pris plusieurs tickets à gratter, j'ai pris plusieurs bouffes. Bon, la boîte elle est un peu cassée, mais c'est pas grave. C'est ses trucs préférés de la terre entière.
c'est un petit assortiment noir, blanc, noisette, lait. Ce qui est cool, c'est que moi, tous les blancs, je vais les manger moi. Toujours 11. Ça, j'ai pris sur Stradivarius. C'est un jogging. Je l'ai même pas ouvert encore. Je crois qu'il est blanc. Pas du tout. Il est beige saumon. Il est beau, il a l'air confort. Bref, tout ce qu'on veut dans un jogging. Donc le jour 12, c'est un des premiers jours où j'ai un ticket à gratter. Ça sera 2 astros, 1 scorpion, 1 taureau. Parce que moi je suis taureau et scorpion. En plus, ils m'ont filé une petite pochette. Jour 13, pour ça, je sais très bien qu'elle kiffe de ouf. Et bon, là on a pas beaucoup de place, du coup ça va être peut-être chaud. C'est des rangements en verre pour mettre des pâtes, des céréales, ce que tu veux. Et c'est trop stylé. Alors pour le jour 14, les gars, j'avoue, je sais pas, j'étais en freestyle. J'ai pris une bombe de bain et on a une douche. Donc à part si elle le fait dans le lavabo, ça va être chaud. Pour le jour 15, j'ai pris un petit pack de coton démaquillant réutilisable. Parce que maintenant, on n'utilise que ça, parce que c'est écologique, c'est économique, c'est trop bien, c'est trop doux. J'ai perdu un truc, les amis. Bon, bah là, encore un même problème qu'Internet. J'ai pris ça. C'est tout petit, c'est un démaquillant pour justement aller avec les cotons. Et en plus j'en avais pris deux, et j'en ai perdu un. On va le retrouver un jour, mais pour l'instant il n'y a qu'un petit truc comme ça du coup. 17ème jour, re un ticket, un jackpot, histoire de se faire un max de thunes. 18ème jour, alors là moi je kiffe et j'ai trop hâte. Ça je l'ai pris à Carrefour. J'ai pris un lot d'assiettes rondes, mates, et toutes noires comme ça. Je kiffe de ouf, genre j'ai trop envie de manger dedans. J'ai l'impression de, je sais pas, carrément de monter une classe sociale. Et du coup, j'en ai pris 4. 19ème jour. Alors ça, je l'ai vu sur internet, pareil. Je t'avoue que je sais même pas ce que c'est. C'est un lait douceur pour le corps. Je sais pas. Est-ce que je peux l'utiliser comme ça? Ça coule pas. Bon, il doit avoir un truc. Je vais pas l'ouvrir. C'est la vanille, ça sent bon. Ça se trouve c'est cool, ça se trouve c'est nul, je sais pas, je suis pas au courant. 19ème jour, c'est une nouvelle fois de la bouffe. Donc ça, bon, qui n'aime pas ça, hein. 21ème jour. En ce moment, Lola kiffe faire de la pâtisserie. Elle fait tout le temps des cookies, mais genre à 23h du soir. Et aussi, sa deuxième passion, c'est manger de la pâte crue. Sauf qu'en fait, à chaque fois, elle fait sa pâte crue, elle met dans le bol et tout. Il reste un milliard de pâtes collées au bol. Du coup, elle mange tout. Je l'ai pris ça, un petit racloir de pâtisserie. Comme ça, elle va pouvoir tout racler et elle aura plus rien à bouffer. 22ème jour. Ça, c'est trop cool. Franchement, j'ai vu sur le site, il disait 2 guirlandes de 12 mètres. Je me suis dit, non, c'est pas possible, à ce prix-là, ça coûtait genre 6 euros. C'est pas 12 mètres, c'est pas possible. Si, si, c'est 12 mètres. Je vais pas le déballer parce que, évidemment, je fais 3 fois mon appart. Mais c'est trop cool, comme ça, on va pouvoir en foutre partout dans la chambre et tout, ça va être trop cocooning stylé. One eternity later. Pour le 23ème jour, c'est le dernier ticket à gratter. Donc cette fois, j'ai pris un millionnaire. Comme ça, après, on devient millionnaire et puis on se barre habiter aux Bahamas. Et le dernier jour, en vrai je suis un peu bête parce que c'est le truc que moi j'ai le plus hâte. J'avais une Wii chez mes parents, genre la première console Nintendo, enfin vous m'avez compris. Et à chaque fois on parlait, ouais Just Dance trop bien, on aimerait jouer machin. Du coup j'ai pris Just Dance sur la Wii. Et ça va être trop bien quoi. Mais par contre c'est un peu bizarre parce que c'est la boîte du 2015. Sur le disque est marqué 2014. Et derrière il est tout rayé, tout pourri. Mais bon je l'ai payé 5 balles je crois. Donc c'est normal. Et ben voilà, je vous ai présenté tous mes cadeaux. Maintenant, je vais devoir tout emballer, tout numéroter et foutre dans ma hotte. Et puis après, on se donne rendez-vous sur nos Instagram, sur nos TikTok et tout, pour nous suivre tous les jours, pour regarder nos réactions. Et aussi, Lola, du coup, elle a fait la même vidéo, mais dans l'autre sens, donc n'hésitez pas à aller la voir. Allez, maintenant, faut emballer. Les amis gosses, je viens de me rendre compte que on n'a pas de scotch. Mais je vais pas mentir, pour les cadeaux, ça va être compliqué d'os, hein. Mais on se retrouve un autre jour pour faire les cadeaux. Bonjour à vous, les amis gosses. Comme je vous ai dit, on va emballer les cadeaux. Sauf que vu que ça va me prendre approximativement 3 années, évidemment que vous allez voir en accéléré. Moi je vais mettre ma meilleure musique parce que ça a vraiment duré très longtemps et puis on est parti. Bon bah voilà les amis gosses, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il faut que vous alliez voir l'autre vidéo sur la chaîne de Lola pour voir les cadeaux qu'elle a fait pour moi. Et on se retrouve à partir du 1er décembre sur Instagram, dans nos stories, pour voir tout le déballage de ces calendriers de l'Avent. Et aussi on a eu une petite idée, on va faire des reels
En fait, on va utiliser l'objet, quel qu'il soit. On faut trouver un Reels avec, un petit peu rigolo ou même pas, ou je sais pas. De toute façon, venez nous suivre sur Instagram, il y aura toutes les infos. J'ai doublement hâte, parce que j'ai trop hâte d'ouvrir mes cadeaux à moi, parce que je sais que ça va être trop bien. Et j'ai trop hâte que Lola elle ouvre ses cadeaux à elle. Et voilà. Aussi, mettez dans les commentaires l'objet que vous préférez. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao !